Quelque chose m'interroge. Je suis abonné à Deezer, qui, comme on le sait, est une plateforme musicale de téléchargement légal. L'autre jour, il y a eu un petit dysfonctionnement, un bug, comme on dit aujourd'hui, oubliant que bug, d'ailleurs, signifie virus ou microbe, et que cela nous ramène à une existence qui se déroule sans cesse dans un monde de perpétuelle pandémie. On pourrait d'ailleurs s'amuser, si on n'avait rien d'autre à faire, à compter le nombre de concepts anciens, ancestraux, immémoriaux, repris par la postmodernité. Concept qui ne veut rien dire du tout, à force d'avoir été employé à toutes les sauces, mais que les philosophes amateurs, les journalistes pompeux et les cuistres des magazines branchés adorent employer depuis quelques années. Par exemple, le terme de pirate informatique ou de puce électronique. Les pirates, les puces, les virus, jusqu'au mot de virtuel d'ailleurs, qui vient de la scolastique chrétienne du Moyen-Âge, ou encore avatar, qui provient du sanskrit et signifie incarnation divine. Bon, tous ces mots-là nous ramènent à des concepts. Très ancien. Le nom Bluetooth, lui aussi, nous vient de très loin, puisqu'il s'inspire d'un roi viking, un roi du Danemark, Harald à la dent bleue, alias Harald Blattand, ce qui en anglais donne Harald Bluetooth. Harald serait parvenu à introduire le christianisme au sein de son royaume une fois celui-ci unifié. Le cloud, puisque nous sommes dans le christianisme, qui signifie nuage en anglais, ne rappelle-t-il pas lui aussi le royaume céleste Et puisque nous sommes dans la royauté et aussi un peu dans la papauté, je voudrais rappeler cette étrange expression du nom de domaine, comme un nom que le souverain donne à ses terres ou une divinité à ses cieux. Parlons également des enceintes, qu'elles soient ou non connectées. Enceinte, on pense évidemment aux enceintes fortifiées comme celle du Mont-Beuvray, établie, construite par les Gaulois. Enceinte, ce qui enceint selon la définition de Jean Demain, poète du XIIIe siècle, dans établissement de chevalerie. Les hackers eux-mêmes ne sont pas nés de la dernière pluie, puisque tout hack nous renvoie à ceux qui taillaient le bois. Le net, quant à lui, nous relie à l'ancestrale pratique de la pêche, puisqu'il se traduit en français par filet. Une liseuse évoque la présence d'une jeune femme qui lit à son seigneur, avant qu'il ne s'endorme, des récits de guerre ou des contes mésopotamiens, ou des textes sacrés. Je ne parle même pas du mot messagerie, qui fait penser à ces fameux messagers si précieux, du temps où les Grecs faisaient la guerre ni de la mise à jour et de son évocation biblique, ou encore du navigateur qui respire l'Odyssée de Homer, ou les vers de Virgile dans son Énéide, ni même du terme de tablette qui nous adresse directement au croissant fertile et à l'écriture cunéiforme du temps où on lisait dessus l'épopée de Gilgamesh, mère de toutes les épopées. Le mot pisteur qui évoque le chien qui renifle à la chasse, ni le mot de streaming qui évoque le fleuve, mais pour en revenir à mon bug sur Deezer, voici ce que me dit l'application via un message. Tu ne sembles pas connecté à Internet. Tu ne sembles pas connecté à Internet. Il n'y a pas si longtemps, Deezer me vous voyez. Voici que désormais, Deezer me tutoie. Nous n'avons pourtant pas gardé les cochons ensemble. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie que l'âge n'existe plus. Dans le monde virtuel, tout le monde a le même âge. Le monde virtuel, qui, je le rappelle, est un mot euh, signifiant que le monde dans lequel on évolue est un monde sans mort. Un univers dans lequel on ne meurt pas puisqu'on n'y vieillit jamais. Un avatar n'a pas d'âge. Un homme n'a pas d'âge sur Internet. Jamais. On parle sans arrêt de l'anonymat des internautes. On parle sans cesse du pseudonymat. Mais on ne parle jamais de l'absence d'identité temporelle, de ce qu'on pourrait appeler l'acrononymat. Des êtres sans temps, des êtres sans âge, jamais perclus par le temps, jamais perclus par l'usure. Nous nous présentons toujours sur le net comme des êtres neufs et frais, absolument nouveaux, épargnés par les années. Sur le net, tout le monde a le même âge que tout le monde. C'est un âge générique, un âge partagé, un âge universel. C'est ce que dit, c'est ce qu'indique cet usage du tutoiement. Nous sommes tous le même physiquement, sans chair dans la stricte évanescence de l'invisibilité corporelle, mais aussi nous sommes similaires à chacun dans l'indifférence totale de l'écoulement temporel. Nous voilà figés dans un bloc imperméable aux saisons, affublés d'un âge imaginaire qui n'a pas son pendant, qui n'a pas son équivalent au dehors, dans la vraie vie, dans l'existence réelle, mais qu'on imagine forcément situé. Dans l'adolescence. C'est une forme de syndrome Tintin. Tout le monde, on le sait, possède l'âge de Tintin. L'adolescence, période tacite où nous sommes tous relégués par telle ou telle application, période vers laquelle les enfants s'avancent et en direction de laquelle les adultes reculent, voilà l'âge des internautes. L'adolescence. Adolescence, lieu vers lequel les enfants progressent lieu vers lequel les adultes régressent. Adolescence, lieu où les enfants se rendent, lieu où les adultes retournent. Adolescence, âge de nos avatars. Nos avatars ont tous 16 ans, pas plus, pas moins.